Hello, c'est Mitsu Otome. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle fanfiction de Wendy Tsugaya. Donc elle a un nom beaucoup plus long, mais je ne sais pas le dire en entier. Et donc, c'est une fanfiction voilà, nouvelle. Donc, c'est présentation de ma fanfiction. Donc, c'est by Naomi Ayaka, Wendy Ayata, Itsugaya. Donc, c'est vraiment très long, c'est pour ça. Alors, oui, ouais, bah, il y a Mitsu. Donc, on va mettre le musique qu'elle m'avait conseillé. Voilà. Donc salut tout le monde, moi c'est Naomi pour être précise, Naomi Ayata Wendy. Ouais, attends, Hawaii. Ah, Hawaii. Hawaii. Ah là là. Awaka Wendy Ayata Itsugaya. Et elle c'est comme une grande sœur pour moi. Mitsu. Oh, j'ai une frange. Hello tout le monde, c'est Mitsu Otome, je suis ravie d'être avec toi Naomi et j'ai hâte de découvrir ton nouveau jeu, il s'appelle comment? Je ne te dirai pas, tu verras quand tu l'auras, mais merci pour m'avoir aidé pendant tout le long de la création. Et désolé si c'était long, j'étais petit de rien. Et tu as des petits problèmes, c'est pas grave. Mais tu es au courant que je suis impatiente, j'ai même, on va dire, harcelé Mino pour sa fanfiction. Oui, c'est sûr que je l'ai harcelé, c'est même pas on va dire, c'est sûr. Je vais quand même attendre pour ton jeu, mais tu es sadique comme fille. Mais et si on lisait cette fanfiction? Non, avant je dois présenter quelqu'un d'autre qui m'a beaucoup aidé aussi, et comme tu dois déjà le savoir, enfin je crois certains. Cette fanfiction est, pardon, est un peu inspirée de ton jeu. Mais différent, c'est ça, je me trompe pas. Tout faux. Et si on demandait à la personne que je veux présenter, que je considérais comme ma grande sœur, que je considère comme ma grande sœur, pardon, aussi comme ma grande sœur, et c'est Mino! Viens là, petite Mino, viens nous saluer, Smile. Oh, mais elle a l'air toute mignonne! Oh, oui, hello tout le monde, c'est Mino Nico! Moi, je la voyais plus. Hello, c'est moi! Mino, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air triste. Je crois qu'une certaine personne lui manque. Ah, mais j'ai la solution à notre problème. Ah bon? Tu sais ce que c'est? Oui, et si on commençait cette fanfiction? Prologue de My Romance Lovers. Je m'appelle Mitsu et elle c'est Mino, ma sœur. Sauf qu'en ce moment, elle est un peu déprimée et je voulais l'aider et je lui ai dit. Hein, moi avoir un copain, mais tu es malade? Mais ça va pas la tête, Mitsu, toi aussi! Tu penses que je devrais avoir un copain? J'y crois pas. Bah oui, tu devrais avoir un copain, tu déprimerais moins, idiote. Non mais sérieux, lâchez-moi avec ça, toi et la petite nouvelle qui nous prend pour des. Attends, parce que. C'est un peu fort. Des chatons, je commence à en avoir marre. Je me demande comment il fait. Ouais, ouais, Mitsu, tu m'écoutes? Ah, hé, hey, Mino, ça suffit, je vous appelle comme je veux et je voudrais vous présenter des amis à moi. Alors, suivez-moi. Ce sont ces garçons là-bas. Ah, mais c'est Laito et Ayato, j'en suis sûre. Je préfère celui en dessous. Celui au-dessus de l'autre est canon. Ces garçons sont. Ah, j'ai fini! Ça n'a pas duré, c'était très court en tout cas. Bon, en tout cas, c'était très court. Mais moi, j'ai bien aimé parce que bon, il y a Laito apparemment. Donc, apparemment, hein, c'est Laito. Hein. Donc, je sens que je vais bien aimer avec Laito. C'est un parallèle en fait que je remarque. Ça a l'air d'être un parallèle avec le jeu, avec le visuel de Mino en fait. C'est un parallèle. Donc, ça veut dire qu'on est dedans et on rencontre aussi Laito et Ayato comme dans le jeu de. Enfin, comme dans le visuel de Mino. Donc c'est bien qu'on nous a ajouté dedans, donc c'est un peu une autre façon d'aborder Ayato et Laito. Et donc voilà, on va voir ça tout de suite, enfin tout de suite, on verra ça directement dès que la suite sortira, mais en tout cas c'était court. Mais voilà, donc sur ce, j'espère que vous avez bien apprécié donc ce visuel de Wendy et Tsugaya. Et sur ce, je vous dis à plus à la prochaine pour une prochaine vidéo, bye bye!